Y a des ombres dans je t'aime. Pas que de l'amour, pas que ça. Des traces de temps qui traînent. Y a du contrat dans ces mots-là. Le fait de participer à Génération Goldman 2, ça a été une suite logique, puisque j'avais participé au premier et que cette fois on m'a proposé d'interpréter Sache que je. Les mots ne servent à rien. Sache que je crois que c'est la chanson de Goldman qui me parle le plus. Je suis d'accord avec le fait que quand on dit je t'aime dans une relation, on passe à un cap inconsciemment, sans le vouloir, c'est la relation change. Alors sache que. Sache-le, sache que je. Ce que je retiens de Génération Goldman 1, c'est tout d'abord les rencontres, et puis peut-être une connaissance accrue de l'œuvre de Goldman quelque part. Que je m'y suis plongée différemment, j'ai écouté ses chansons différemment et c'est là que j'ai compris que Sache que je, c'était vraiment ma préférée de Goldman. Sache-le, sache que je.